c'est parti. Combien de fois faudra-t-il vous dire de le frapper avant d'entrer? Bon, c'est quoi cette affaire? Je sais plus où c'est. Ah oui, au bois d'à côté. Comment ça, en congé pour une semaine? Ah bah, je devais partir quelques jours, mais je suis rentré plus tôt. Pardon? Bonjour, Bertrand Coquillet, détective, avec mon assistante. Bonjour. Bonjour, Cassandra Sittel, détective. Alors voilà, le cadavre a été découvert vers 8h40 et il a visiblement été brûlé, donc ça risque d'être compliqué de l'identifier. Il a été recouvert pour éviter que les intempéries ne l'abîment. La police scientifique arrivera d'ici une demi-heure. Oh, on peut commencer les recherches, hein. Ces blouses blanches disent souvent ce qu'on sait déjà quand on s'est donné la peine de chercher. Très bien. On tirera rien du cadavre. Fouillez les alentours. Ouais, il faut quand même se pencher sur le cadavre. Là, il y a quelque chose. Regardez dans les poches. Attendez. Antoine Redchen. Redchen, ça me dit quelque chose. Mais c'est bien sûr Antoine Redchen. C'est ce délinquant que j'ai fait arrêter il y a quelques années. Un trafiquant de stupéfiants qui trempait dans des affaires criminelles. Ah ouais, intéressant ça. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ah, j'ai tout fait pour le prendre par surprise. Je me souviendrai toute ma vie de la tête qu'il faisait ce jour-là. Mais il est mort. Qui l'a remis en liberté? Il a écopé d'une peine assez courte, il est sorti de prison récemment. Il a carrément livré certains de ses complices pour s'en tirer. Ça pourrait expliquer le meurtre et être une piste pour identifier l'assassin. Bien, pour une fois, vous êtes perspicace. Tiens, la police a investigué son appart. Des lettres de... sa sœur. Il avait de la famille? Oui, elle était au procès. Je t'avais dit de ne pas les dénoncer, tu sais bien de quoi ils sont capables. Maintenant, tu es en danger de mort. Et sur ces autres lettres, des menaces de mort. On lui a donné rendez-vous pour parlementer. Mais c'est sur le lieu du crime. Bah oui, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est un règlement de compte, sa bande l'a éliminé. Cette sœur peut en savoir beaucoup, dis donc. On va sûrement pouvoir en tirer quelque chose. Oui, oui, j'ai lu la nouvelle dans les journaux. Je sais pas quoi en penser, ça devait arriver. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Vous prendrez un café? Ah, avec plaisir, merci. Plus tard, si possible. Nous avons trouvé chez votre Madame frère... Madame Redchen, nous voudrions savoir ce que vous connaissiez des actions de votre frère. Mais allez droit au but. Je n'ai rien à vous apprendre. Je n'ai plus eu beaucoup de contact avec lui depuis qu'il a commencé à fréquenter des délinquants. En êtes-vous si sûr? Nous avons des preuves contraires. Et j'ignore ce qu'il a fait depuis qu'il est sorti de prison il y a 4 mois. Je ne l'ai revu qu'une fois depuis. Et vous lui avez parlé? Oui, mais je n'ai pas trop compris ce qu'il a voulu dire en fait. Merci. Il était en colère contre je ne sais quoi. Il me parlait de pâtes, j'ai rien compris. Pâtes? Des coquillettes. Il n'aurait pas plutôt dit coquillettes? Non, non! Ah si, c'est ça coquillet. Et vous savez qui c'est? C'est mon supérieur avec qui je travaille d'habitude. Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Merci. Je ne sais pas. Antoine avait l'air de lui en vouloir. Bah évidemment, c'est moi qui l'ai mis au trou. Et à part ça, vous a-t-il fait part d'une inquiétude quelconque? Non. De quoi devrait-il s'inquiéter? Nous avons retrouvé chez lui des menaces de mort de la part de sa bande. Jusqu'à ce qu'on les retrouve sur le lieu du crime.
ainsi que des lettres de votre part, qui lui faisaient des reproches et lui disaient de s'enfuir. Je n'ai jamais été au courant de ces menaces. Et je ne lui ai jamais écrit, j'ignorais où il habitait. Et pourtant nous avons ces lettres. Tenez, les voilà. Vous ne les reconnaissez pas? Ce n'est pas mon écriture. Ce serait plutôt la sienne. Il a fait des faux. Il a laissé de fausses pistes derrière lui avant de disparaître. Excusez-moi. À ce propos, j'ai vu qu'il était en ligne sur sa messagerie ce matin. Mais c'est génial! On va pouvoir faire un bornage téléphonique et retrouver vers où il était quand il s'est connecté à Internet. Ah ben, je vous laisserai faire, parce que moi, c'est méthode moderne. Mais vous êtes sûr que la localisation peut être bien précise? Vous pouvez faire ça? Oh, c'est leur outil maintenant. Les techniques d'enquête ont bien évolué depuis la première arrestation de votre frère. Bon, certains campent encore sur leur manière un peu dépassée, mais on leur pardonne quand ils se trompent. Eh bien, merci. Je vais envoyer un message au service concerné. Qu'est-ce que ça indique? Ah, voilà où notre assassin sert. Idéal, cette propriété abandonnée. Mais restons sur nos gardes, il nous a peut-être vus. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? Police, nous cherchons quelqu'un. Dégagez! Oh, reculez, lâchez ça! Ne sentez rien, nous sommes plus nombreux. Lâche-moi! Stop, ne bougez plus! Lâchez-moi, je vais pas vous mordre, mademoiselle. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? C'est plutôt à moi de vous poser la question, c'est vous qui êtes chez moi. Non, je crois vous connaître. Vous n'êtes pas en mesure de me menacer. Nous recherchons un criminel, vous êtes suspect. Alors j'ai des choses à vous dire. Je suis Antoine Rechen. Mais bon sang, pourquoi rester si muet et borné? Vous ne pouvez pas être innocent dans cette affaire. Ah, je ne dis pas que vous êtes coupable. Enfin, il faut vous expliquer. J'ai rien à en tirer, il est borné. Alors, Antoine Rechen, savez-vous qu'on vous croit mort? Vous allez nous expliquer votre implication dans cette affaire. Pourquoi vous cachez-vous? Pourquoi avoir brouillé les pistes? Je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Mais j'ai besoin de votre aide. Ah d'accord, à moi on ne dit rien. Votre rancune n'a aucune limite. Je vous écoute. Ça a commencé lorsque je suis sorti de prison. J'ai commencé à recevoir des menaces des chefs de mon organisation pour avoir donné des noms lors de mon procès. Ils me proposaient de recevoir une certaine somme pour reprendre les activités au sein de l'organisation. Mais j'ai refusé. Alors, pour éviter de me faire descendre, j'ai donné mon appartement à une connaissance. Il a pris mon identité, il a joué le jeu sans trop vraiment savoir pourquoi. Je lui donnais des instructions en me faisant passer pour ma sœur pour pas me faire découvrir. Et il a continué à recevoir les menaces. Moi, je me cachais là où vous m'avez trouvé, jusqu'à ce que j'apprenne sa mort. Ok, ça explique bien des choses. Vous prétendez donc que vous avez cessé toute activité criminelle. Mais cet homme qui est mort à votre place, qui était-ce? Nous enquêterons à son sujet plus tard. Vous craignez de ne pas être à l'abri de votre bande? Mes patrons sont pas bêtes. Lorsqu'ils ont découvert que j'avais envoyé quelqu'un d'autre sur le lieu du crime, ils l'ont assassiné. Ils sont à ma recherche en ce moment même pour en finir. Vous devez me protéger. Si vous dites la vérité, nous ferons tout pour assurer votre protection. Ne vous en faites pas, il y a une justice même pour vous. Malgré votre casier judiciaire. Nous devons d'abord vérifier votre alibi. Cassandra, ne vous fiez pas trop à ses dires, il peut vous rouler. D'ailleurs, vous pourrez sûrement nous aider à capturer ce qui vous traque. Sauf si c'est une fausse excuse. Il me paraît toujours très suspect. Merci. Vraiment. Soyez pas insolent, vous. Cassandra... Ce n'est que notre devoir. On m'écoute quand je parle. J'estime beaucoup la justice. Ah oui? Vous êtes ancien détenu, je vous rappelle. Vous considérez ça comme du passé? Vous avez tourné la page? Oh que oui, je ne ferai plus de mal à Emouche. Je ne toucherai plus jamais à des substances illégales. Cassandra, votre approche psychologique n'est pas du tout adaptée à la situation. Ce n'était pas le cas, d'après le rapport du centre d'incarcération. Vous n'étiez pas très docile, ni très sobre. Non mais allez-y, mais vous roulez pour lui? Moi ça m'amuse pas du tout, hein. Bien sûr. Ça a pris du temps, vos pensées. Mais c'est en reprenant goût à la liberté que j'ai décidé d'en profiter. Elle m'est très chère à présent. Je veux bien vous croire. Mais ce n'est pas ce que beaucoup pensent de vous.
Certains vous pensent irrécupérable, à commencer par Bertrand Coquillet. Ah, ce Coquillet. Il n'a jamais cru que je pouvais changer. Non mais je suis là, moi, hein, vous m'entendez? Il me détestait. C'était un sale type. C'est mon supérieur. Modérez vos propos, ça ne le fera pas changer. Il ne changera pas. C'est n'importe quoi. Jamais il ne sera capable de pardonner. Ah, j'ai déjà entendu ça quelque part. Vous avez été libéré, Antoine. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Vous m'avez pas fait venir ici pour me dire votre haine. Et votre lettre anonyme, vous auriez pu la signer, tout mettre dedans. Ça m'aurait évité d'écourter mes congés et de perdre mon temps ici. Non, monsieur, vous n'êtes pas venu ici pour rien. Vous êtes là pour payer. Attention à ce que vous faites. C'est à vous de payer vos méfaits. Et vous méritez d'avoir été arrêté. Alors cessez vos caprices. Ah ! Ah ! Rétien ! Vous le regretterez ! Ah ! Ah ! Vous ne changerez donc jamais. Ah ! Vous n'êtes pas capable de pardonner. Non ! Arrêtez ! Arrêtez ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Antoine Rechel, hier soir j'étais avec vous. Ce cadavre, c'est moi. C'est bon, monsieur Rechel. Je vais prendre des mesures pour assurer votre sécurité. Et vous me parlerez de cet homme qui est mort à votre place. C'est moi, Cassandra. C'est lui le coupable. Arrêtez-le. Il a tout inventé. C'est lui qui m'a tué.